prédit un drôle d'avenir, un choix à faire. La conséquence de son devenir, prendre les armes avant sa majorité. Il deviendrait le plus grand des guerriers que cette terre ait porté. Mais éphémère serait sa vie, devenir héros de guerre, mourir, avoir son nom dans les écrits. Le gamin n'hésita pas une seule seconde que ça doit être bon d'être le plus grand guerrier du monde. Maintenant viens, écoute bien ce nom. On l'appelait Courcoulaine, le chien du forgeron. Cette